C'est vu tellement naturellement. Ouais, je pardonne. Regroupe un peu. Rocco, test sur la 148. Rocco, fort et clair. Non, je me suis trompé, c'est pas des munitions. Des munitions pour toi. Tu vas voir ça, non? T'as pas des munitions de tir. Moi j'ai un écran de tir. Ah, c'est moi qui les ai. Ah ouais, ouais. Bon, bah, moi j'ai que des stuns. J'ai des grenades stun. Ah, c'est pour. Ici. Ouais, enfin. C'est parce que je veux dire. Ah, oui, attends. Étant donné que j'ai 25 000 HE 40 mm et 25 000 grenades frag. Ah, tu vois. Ok. Et place coupante. J'en ai une pourtant. Pour couper des. Ah, oui, attends. Non, pour briquer. Je règle ça. Ah, d'accord. Ouais, ouais, de toute façon, peut-être que ce sera utile. On verra. Que par l'axe sud, il y a peut-être pas trop dans le grillage. Donc, ouais. Aldrid, est-ce que tu veux faire les coms radio? Avec mon micro casque de merde, je crois. Progui, tu fais les coms radio, tu veux que je les fasse? Ouais, désigner un membre senior qui fait, qui fait les coms, c'est bien. C'est une bonne idée. Un membre senior, si tu veux. Okay. Ouais, mais ça dépend senior en quoi, parce que Aldrid, IRL, il est senior. Ouais, c'est Aldrid. T'as essayé un peu de faire fractionner ton. C'est pour ça que Sweden. Ouais. Les commandos partent pour l'avant. Ah, ça y est, il va nous réciter ses chants Foggy. Soleil couchant, le salut. Pour l'ennemi, la vie sera très dure. Pour ceux qui prient et qui tuent. France, oh ma France, très belle. Pourquoi je ferai bataille? Je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir jamais. La 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 la. Oui, ça se finit vraiment par la 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 la. Ok. Ils ont de l'originalité là. Parce que le la la la, du coup, on dirait un hymne de supporter de foot quoi. Défaut de gagner des bears, on en fait au moins. C'est changé de manière un peu plus martiale en vrai. Ouais, mais là t'as pas tes camarades Froggy, c'est normal. En fait, je vais faire un peu chante en gros parce que je connais pas celui-là. C'est le même, je pense c'est même que la cache-cache plus ou moins. Attends, je vais regarder. Tu veux qu'on ouvre à quelle altitude cette fois? 500 mètres toujours? Cette fois on aura un parachute hein. Ouais, c'était pas ma faute hein. Quoique fais gaffe hein. Goya il a un sac, peut-être qu'il aura votre parachute. Donc merde, moi aussi. 1000 mètres, ouverture, ouverture 300 mètres. Ok. Ok. Waldrit c'est le même, c'est le saut de la cache-cache. Hein. Ok. Pas de soucis. Bien pensé à corriger la dérive, les mecs. Regardez bien. Regardez bien le terrain parce que vous aurez pas de GPS. Ah oui, c'est vrai. Vous aurez un GPS une fois en vol, normalement. On verra. Vous avez tous des bouchons? De toute façon, ça sert à rien les bouchons hein, des silencieux. Moi non. Les grenades qui pètent à côté des oreilles. Tu vas faire un tir toutes les deux minutes. Ça, c'est une lunette quoi. Ok, allez, on y va. On dirait un tremblon son truc. Ah. Le sniper avec ses MVG, t'as l'air tellement con. Je suis désolé. Oh,
Ça tourne trop. Si je le vois. Oh putain. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Est-ce que je vais me poser? Oh, je suis tellement loin. Putain, je rêve où le vent m'entraîne là. Oh bordel putain, j'ai de la route. À quoi leader? Ah bordel, c'est pas bon, 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 c'est pas bon.
coup au leader. Écoute à coup. Ok, j'ai atterri à plusieurs centaines de mètres à l'est, j'essaie de rejoindre la position. Bien pris, on t'attend, on est au milieu, à peu près au milieu du champ sur le jet de Roméo. Et de la co-leader, si vous pensez pouvoir avancer sur Suez, ce serait mieux qu'on se retrouve sur Suez, vous pouvez vous faire perdre du temps là, je suis assez loin. Est-ce que tu peux estimer ta position? Je t'entends en radio, c'est pas si comme ça. Quelque part à l'est de transmission Bravo, je dirais 300 mètres. De Aqua Leader, je confirme, je suis sur le chemin, le petit chemin qui mène jusqu'à Suez. Bien reçu Aqua, ouais, non, rejoins-nous sur le Z Romeo là, on est encore sur le dessus de toute façon, je suis en traitement en soins médical pour moi. Nickel, reçu. Ok, ce que je disais, c'est que le binôme rouge et le binôme de bridge, d'assaut, etc. C'est toujours lui quand on provient dans un bâtiment, qui ouvre la marche. Le binôme vert est un binôme de couverture. Ok. Donc c'est eux qui sécurisent le bâtiment, enfin, l'extérieur du bâtiment pendant que rouge sécurise l'intérieur, ce genre okay. De choses. Ok, ça marche. Ok, dès que mon son est fini, on va aller se positionner au sud de l'axe sud. En partant... On va partir plein est et ensuite on remontera la crête qui monte jusqu'à l'axe sud. Ok. J'ai 18-40 mm. Ok, bah une fois que ça pète, faudra pas hésiter à faire péter. Ouh, t'inquiète pas. J'ai rien vu sur le chemin qui mène jusqu'à Suez. Aussi, t'as été largué à plusieurs centaines de mètres d'ici. J'ai été entraîné par l'inertie de l'avion. Le vent en plus, putain, je contrôlais plus rien. J'étais dans un sens et je m'en allais dans l'autre. Ah ouais, c'est pas. Faut bien contrer, faut bien. Comme t'avais dit. Au début, il faut partir pour contrer quoi. Ouais, j'étais le plus paumé, mais finalement pas. J'ai fait deux ou trois 360 en halo avant de me stabiliser. Tu peux m'estimer le temps avant la fin du traitement à Wallrid? On est au 3 quarts, 1 à 2 minutes. Ok, ça va. Et après, comme tu dis d'ouvrir à 300 mètres, t'as plus trop. Ouais, bah ouais. T'as plus trop de battements pour rectifier quoi. Ce que je voudrais dire, c'est que si le mec, faudra que je vous donne une altitude si vous êtes bien positionné et une altitude si vous êtes mal positionné quoi. C'est une bonne idée. Ouais. Si t'es mal positionné, faut effectivement ouvrir peut-être à vers 600 mètres, ça te permet d'avoir le temps de voir venir. Une bonne idée, ouais. On vient d'apprendre quelque chose. Bon, terminé. Ok, rouge, on va partir plein ouest, vous pouvez aller jusqu'à la lisière plein ouest, rouge. Pensez à venir au Strobière. Compris. Strobière, Foggy. Elle fonctionne pas? Si. Ah si, ouais, mais assez faiblement, ouais. Ok. Plein ouest? Ouais. Il est parti. Ok, il est parti, tu vois. Bon, Wallrid, ok. Je suis au milieu dans la colonne, vers vous fermez la marche. Ça marche. Vas-y, Wallrid, ferme.
colonne. Colonne ouest. Ok, c'est bien reçu, prenez votre temps, on n'est pas du tout encore prêts, nous. Vous m'en contactez dès que vous êtes sur... Eldred, allume ta strobe. Ah bah c'est bon. C'est vrai qu'on les voit pas, non, les strobes. Ouais, on les voit pas. On les voit mieux sur certains que d'autres. Putain, la jungle en NVG, c'est pas mal. Hein. L'enfer vert. Une méthode. C'est une colonne serrée, hein, sinon on va se perdre. Ouais, on a des strobières qui se voient plus à 5 mètres. On va les régler sur 200 mètres. On y va là. Parti. Ouais, on suit. Arrive au sommet d'une crête, là tu vas t'arrêter, Froggy. Okay. De la crête en question. Ah ah, t'as quand même voulu passer par le sud. Et donc on se trouve 300 mètres au sud de l'axe sud. On va peut-être s'avancer d'une centaine de mètres en longeant la crête plein nord. Plein nord. Ouais, je regardais juste un truc. On reste sur la ligne de fête alors ? Ouais, ouais. On y va. Parti. La ligne de fête, ça ajoute un peu de gaieté à tout ça. La fête. Pardon. Le pire, c'est que dans ces conditions, s'il y a des ennemis, on galère pour les voir. Ouais. Accroupi, hein. Ouais, attends. Maintenant, si on est compromis.
finit là, on se replie plein sud, en suivant plus ou moins cette crête. Et on se retrouve, on essaiera de se retrouver 300 mètres au sud, dans la forêt. Donc on va essayer de rester sur la crête s'il y a un problème. N'oublie pas qu'on est aussi silencieux. Hein. Encore 30-20 mètres. Ok. On voit qu'on t'expose trop, tu t'arrêtes. On est parti. Je suis. S'avance encore en direction du nord. Si jamais besoin, vous allongez, vous signalez que vous allongez. D'accord ? Ok. Bien pris. J'avance. J'ai bien reçu vos propos. Pour information, nous sommes sur le point dessus, donc on commence à faire une reco par les propres moyens. Faites de même. Est-ce que vous avez un bon visuel sur Com? Bravo. À vous. Putain, comment ça commence à être pelé ici ? Ah, t'es allongé. On s'allonge. Répétez Rocco, vous avez un bon visuel sauf sur la partie est, confirmé. Ok, c'est bien reçu. Bah, de ce cas-là, vous allez essayer de faire un petit bilan de ce qui se trouve sur la partie ouest. Et vous me rappelez quand c'est fait. À vous. À coup, avance un peu. Okay. Ouais, avancez-vous pour mettre sur les arrières. Ouais, non, je parlais, ouais, pardon, vert. Rouge, ça va? Tango repéré 190. Vitas sur la guerre, non, c'est Vitas sur la guerre. 190, alors Tango de la guerre. Plein nord, un Tango, balcon à l'étage. Encore un patrouille au rez-de-chaussée. Azimut 10, un Tango dans un Mirador. Ouais, en fait, il y en a partout. Quoi. Oula, oula, il y a un mec. Et couche-toi, crétin. À l'est, j'ai des mecs inconnus dans PC2. Il y a un mec premier étage, côté droit du bâtiment, à l'est. Ouais, mais c'est un officier d'ailleurs. Si on veut des informations, ce sera sans doute là-dedans. Ah non, bah, enfin de l'autre côté tu me diras, il y a beaucoup d'officiers de la zone. Il n'y a pas de véhicule à l'ouest là sur le dôme rond là, à gauche du dôme en plus bas. Oui, il y a une patrouille lampe torche là, juste en dessous. Ils ont pas l'air d'être tous armés pour le moment du moins. Ah, j'ai deux mecs en faction de devant PC2. Ouais, vert, vous prenez un peu plus en direction de C2, Charlie 2. Mettez sur la gauche. Ok. Ah oui, c'est vrai que là-bas il y a un mec devant un ordi. On voit, est-ce qu'on. T'arrives à voir PC1, Froggy, où t'es? PC1. Attention, il y a des mecs proches en patrouille, hein. Restez très discret. Et gaffe de pas te relever en allant sur. Ouais. Ah! À coup. La patrouille elle revient dans ta direction. C'est pas un véhicule qui est arrêté sous le dôme là, rond à gauche un peu plus bas. Je sais pas, je vois pas. Laisse le son en tout cas, Valène. Ah, PC1, on est en face de nous là. Il y a un seul mec en patrouille sur PC2, de filant droit. Parfait. Ouais. Jusqu'ici j'ai compté au moins 10 mecs. 10 mecs, et tu peux m'aller répartir entre Est et Ouest. Jusqu'ici j'en ai vu seulement 3 sur la partie Ouest. Donc 7 sur la partie Est. Ok. Y a la patrouille maintenant qui passe pile en dessous de nous, donc elle est maintenant. Il n'y en a plus que un que je vois dans la partie Ouest. Tous les autres sont dans la partie Est. Un mec dans la guérite là, juste devant un coup.
Ouais, ok. Il y a une deuxième patrouille qui arrive depuis la droite, la troisième. Ok, on va inverser les rôles là. Vert, vous allez partir, vous mettre sur la droite là où est rouge. Rouge, vous allez vous mettre sur la gauche. Attendez, c'est pas le moment de bouger là. Ok, j'attends. J'ai dit quand c'est bon. Comment il peut se relever ? À coup, visu sur PC1. Ok, est-ce que tu peux me dire à peu près ce que tu vois ? Un homme en sentinelle sur le balcon tout à droite, un homme en sentinelle rez-de-chaussée à l'extérieur tout à gauche. Ah, ça fait donc 12 mecs, c'est de l'âge, vous voyez quoi. Ok, bien pris à coup, commence à faire le mouvement pour vous positionner à droite avec vert. Possible de bouger là ou pas ? Pas encore, il y en a vraiment à 5 mètres en dessous là. Okay. J'ai deux mecs à l'entrée non armés sur la deuxième entrée du bâtiment PC2. C'est les soldats donc ils vont quand même être aidés. Hein. Ils ont des holsters et des flingues. Oui. Mais je pense pas que c'est vous qui allez vous en charger, ça rouge, vous serez plutôt sur la gauche. Ah mince, c'était PC, hein, autant pour moi, j'avais un parfait visuel dessus, je croyais que c'était plus loin. Ouais, donc je remets mon compteur à 10. D'accord. Mettre sur la caillasse de la ligne. Bien, vous êtes en place, vous êtes où ? Répète. Vous pouvez rester sur le haut de la... Vous allez vous mettre sur le haut de la colline, là où est Goya actuellement, en vert. Pour avoir un très bon visuel sur tout ce qui est à l'est. Ok, j'étais descendu, j'avais un très bon visu et une couverture sur une pierre. Ok, il faut que tu aies un bon visuel parce que c'est vous qui allez devoir engager les contacts qui sont sur l'est. Donc voilà, c'est tout ce que je te demande. Pourquoi tu choisis ta position ? Là, il y a un poste sur la gauche. C'est avec on voit pas du tout, mais il y a un mec sur le balcon côté gauche. Ah oui, du bâtiment. Ouais. Ok. Grenade autorisée ? Une fois qu'on devra engager et que c'est sûr qu'on est compromis, oui, on a autorisé. Évitez de grenader dans les bâtiments par contre, étant donné qu'on a du matériel à récupérer à l'intérieur. Pour rappeler tout ça à tous, je viens de repérer un mirador sur la partie ouest avec deux mecs à l'intérieur. Ah, il y a des mecs dedans dans celui-là. Ouais, j'en vois deux là, c'est un certain. Merde. Tu peux me les pointer laser ? Je peux pas, mon laser est... En fait, je les vois, on pile en 280. Ok. En fait, ils sont sur la façade nord du mirador. Et vers, vous me signalez quand vous savez chacun une position confortable. Rouge, votre objectif, c'est d'engager les mecs sur la gauche et ensuite de commencer à pousser. Ah, c'est bon. T'as une pointe contre le Yass, c'est ça ? Vers, ok. Et si jamais il y a besoin, vous pouvez un VR. Une patrouille de mirador. Ils sont arrêtés, mais... Peut-être t'as la grenade à la rigueur, toi tu te focalises sur le bâtiment, ok ? Tu vois les deux mecs qui sont stationnaires devant ? Ouais, vu. Ok, tu les prends. Je vais essayer de traiter les mecs qui se barrent en priorité. À la grosse. Il y en a un à la fenêtre à l'étage là, à droite. Dernier étage. Tu vois les mecs de mirador en Ouais, mais ça c'est déjà, premièrement, est-ce que dans la répliquer sur lui seulement. On sait pas, il peut avoir des infos. Ok, bien reçu. Est-ce que vous avez des contacts à nous signaler pour être en mesure de ne pas voir une position ? Prends le canon. C'est le droit qui m'a le plus favorable. De verre, on perd la patrouille. Là. Ouais, celui-là c'est bien pris. Il y a un véhicule sur le 290. Ouais, il est chargé d'infanterie. Au final, on va avoir beaucoup de travail, hein, Nouvelle Ridge, je pense. Ça. Ouais, celui-là il est vu aussi. Ah, tu peux prendre celui droit, de gauche, pardon. On prend la patrouille. Alors voilà. J'ai un bon max sur un truc. Ouais, c'est bien aussi. Pour aller en mettre une autre tête qui nécessaire, mais la condition qui ne bouge pas. J'ai pris un trou dans le feuillage, des arbres, voilà. Je peux passer en travers. C'est ici. Et là, la patrouille, elle passe à proximité d'un
pas très loin du bloc. Ouais. Des verres, bonne opportunité sur PC2. Non, on n'est pas prêt d'engager pour l'instant. Ah, la même patrouille, ça. Non, c'est une autre. C'est un Excel. Ah non. Ouais, bien plus reposé, les deux aussi. Excel de verbe. Ok, je vais préparer le plan avec mes hommes et je vais contacter. Vert, je vous illumine au laser un mec que vous avez peut-être pas vu, juste pour l'info. Sur le balcon, derrière le mur. Ok, de vert, pas de visu, c'est derrière le mur. Ok, bon, c'est juste pour vous aider au courant. En l'air pour pouvoir éventuellement compléter une reco sans être repéré. Si on est repéré, on déclenche le plan, c'est-à-dire engagement de vert en direction de PC2, tout ce qui est les contacts qu'ils peuvent voir en direction de PC2, engagement de rouge en direction de Charlie 2, Charlie 1, et ensuite mouvement de rouge en direction de PC1. Pendant ce temps-là, le sniper ouvrira également le feu sur des cibles d'opportunité pour lui. Est-ce que vert c'est bien pris? Vert c'est pris en attente. Rouge c'est bien pris. Rouge c'est pris en attente. Je prends suite gauche, Veldrid. Ça va? Ouais, tu m'entends? Ouais. On a aussi la patrouille en présence au niveau du... au niveau de l'entrée. Quelle route? Le mec qui patrouille tout seul, juste devant, derrière le rocher. Ah, il est passé sur la gauche. Ah, c'est plan pour nous ça. Et je l'ai vu, ouais. Je vais tirer une grenade entière. Là, on a plus que deux mecs à l'avant du bâtiment. Là. Si cela nous fait repérer, je prends celui de droite, je prends celui de gauche. Plan, c'est-à-dire, okay, un groupe de, une partie de mes hommes fera feu sur PC2, en direction de PC2. Une partie de mes hommes fera feu en direction de Charlie 2, Charlie 1. Et ensuite, toi, tu basculeras sur le mec qui est à l'étage là, voir comment il réagit. Par Charlie 2, Charlie 1. S'il tire, tu répliques. Et moi, je basculerai sur la gauche du balcon pour le mec que Sparfell nous a signalé. Ok, ça marche. Ouais, c'est bien pris. Vous gardez les strobières, identifiez bien vos cibles quand même. Autre chose, vous pendant ce temps-là, dès que l'alerte est donnée, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une habitation, c'est évident que l'alerte est donnée, vous avez autorisation d'engager. Sinon, de toute façon, j'essaierai de vous le dire que vous pouvez engager. C'est bien pris. Les patrouilles. Ok, à tous, là, si ça chauffe, on redescend toujours, on se regroupe toujours sur notre position actuelle. Et ensuite on descend avec ce suite si vraiment on peut pas tenir. L'extraction générale se fera si on a trouvé les documents sur PC1 par cet axe là, donc axe sud, où on est venu. Si on n'a pas trouvé les documents qu'on doit faire des mouvements en direction de PC2, il se fera par l'axe bleu, flèche bleue. Est-ce que c'est bien pris pour vert? Vert pris. Pour rouge? Rouge pris. Ok, alors je prépare ma grenade entière. Si ça bouge, je tire. Hein. Ah ouais. J'hésite pas. Donc ouais, si ça bouge, le moindre mouvement offensif, vous pouvez engager. Et n'hésitez pas à le dire à la radio. Tu peux te mettre dessus, moi je me mets sur les deux mecs à l'entrée. Ouais. Pas de mouvement pour le moment. Ok, alors, non, active. Je sais pas comment ils s'utilisent le truc, on va réapprendre en live. Il y a du vent, hein. Il n'y a pas l'air, mais... En fait, si. Ah, je vais me mettre sur les deux mecs. Mets-toi sur les mecs à l'entrée, parce que toi, tu vas les perdre plus rapidement que moi. Ok.
mec de la guérite de droite, hein, il est par balle par contre. Ah, tu dans la tête. Ceux du Mirador par contre, ils n'ont pas l'air d'en avoir. Effectivement, avant de ouf, je trouve plus comment changer l'axe de la caméra. Le mec qui patrouille seul dans la base, c'est un gilet pare-balles et un casque. Ceux qui patrouillent à deux, par contre, il n'en a pas. Ok. Rouge, vous avez une bonne opportunité là ou pas? C'est normal. Ouais, c'est une erreur. Il y avait une bonne opportunité qui va se perdre. Ok, c'est parti. Feu. On a réussi à avoir les deux. Moi j'ai eu mes deux. Ça avait été deux. Deux jours, deux rouges, Garrick et Mirador. Bien pris rouge. Si vous sentez que vous pouvez progresser, vous commencez la progression. Ok, de vert, on a traité tout ce qu'il y avait sur notre flanc. Le mec qui était à l'étage de PC2 s'est replié. On sait pas s'il est armé. Civil qui s'échappe de PC2. Je vais confirmer que c'est des civils, je suis pas sûr. Ouais, il est pas armé. Non, pas des civils. Pas armé en tout cas. On tire dessus. Ils ont des holsters. Ah putain. On charge. Vous restez là, vous faites de la couverture 360. Donc, un d'axe sur la gauche, sur l'est. Okay. Bien pris rouge. Est-ce que vous avez longé le grillage? Affirmatif, on longe le grillage au niveau du Mirador. Bien pris rouge, je vais venir avec vous. Donc, vert reste sur la position axe sud pour faire une couverture générale. Et ensuite, rouge, vous êtes en solo et je suis avec vous pour la couverture extérieure des bâtiments. Ok, tu prends le flanc nord-ouest? Je prends le flanc nord-est. Valride? Valride? Oui. Tu prends le nord-ouest, je prends le nord-est. Je bouge alors. Alpha, ils sont encore à 800 mètres, mais ils vont venir en arriver par Charlie 2. Ok, c'est sur la route de ton côté ouest. La route principale qui rentre dans le complexe. Ok. Essaye de te décaler pour avoir un visu. Hangar ou pas? Négatif, ça ne présente pas de menace. On continue. Bien pris, si vous pouvez les intercepter, n'hésitez pas, nous on a déjà quitté l'entrée sur Charlie 2. Air reçu, on est sur l'entrée ouest.
Dès que tu vois quelque chose, tu me le dis, je vais t'appuyer. Ça arrive, ok. Côté gauche de la route. Ok, on attend un petit peu qu'ils arrivent. Allonge-toi, je vais rester accroupi derrière toi. Donc vert pour information, il se peut que les contacts arrivent par le nord. On dirait que c'est depuis le dôme radar qui est au nord. À vous, vert. De vert, ça arrive par la route ouest. On va engager. Bien pris, vert. Vas-y, tu te le fais. Oh l'enculé. Il peut pas se planquer derrière. Merde, trop loin. Creux. Il y en a un autre qui arrive sur la route. Vas-y, traite-le. Toujours côté gauche. Ah, j'ai des branches devant. On charge. Ok, il avait dit nord. Vers leader. Parlez vers. Tu confirmes contact qui venait par le nord également ? Possiblement plutôt direction du dôme radar, mais il serait pas encore dans la base. Ah, okay, ouais. Aucune idée. Faut surveiller. Tu restes sur le secteur. Rouge, tout va bien. Rouge, tout va bien. On est au premier étage. Non, c'est des grues, mais j'ai pas vu, elles ont pété. Regarde, c'est quoi qui tire là? Faut identifier. Ça tire au 300. Ouais. Que dalle sur le radar au nord. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais je vois rien du tout pour l'instant. Contact à proximité, on est corps à corps, ils sont arrivés par le sud. Ça va Veldrid? Ouais c'est bon. Putain la vache. De Vera Leader, est-ce que c'est reçu? Ok, pop. Vas-y reste sur le sud. Leader, parlez. Bordel, je le savais. Que leader soit dans les vapes ou mort. Ok, reçu vert. Il était avec vous? Affirmatif, mais du coup on est revenu dans le bâtiment, il reste à l'extérieur, on sait pas trop. Merde. La dernière fois que je l'ai entendu, il venait vers nous avec un laser, mais là j'ai pas de visu. Et bien pris, nous on est en train de fouiller le bâtiment au niveau des ordinateurs, on va ressortir dans pas longtemps.
Ah putain l'enculé, je le savais. On a eu chaud au cul là, Valrid. On a eu chaud au cul là. Non, tu crois? Ah putain le bâtard. Ok, je pense qu'il doit être en proximité de votre position, leader. Essayez de voir si vous le repérez. Encore du monde sur la route à l'ouest. Allez, hop, on traite. On n'attend plus là. C'est bon. Recharge, c'était ta dernière balle. Ouais, j'ai eu la 300. Un petit renard là, mais je sais pas d'où. Encore un. Ok. Bien, wesh. Putain, le bâtard est fait d'où? C'est par de coup ouest. Reste sur ton secteur. Ok, de rouge, faut au moins que vous trouviez le leader et que vous récupérez sa radio avant de vous plier sur le point d'entrée. Ouais, au point, autant moi qu'engager sur la sortie du bâtiment, on riposte. Ok, si vous avez rien trouvé dans le PC, c'est pas la peine de riposter, hein. Le but c'est de surplier là. Ok, bien pris. Ah, y'a plusieurs PC à plier. J'ai des contacts qui arrivent depuis un mirador sur mon est, il faudra que vous les dégagiez si possible. Ok, tu parlais du mec qui longeait la clôture là? C'est bon, c'était lui et un autre traité, merci. Ok, si vous avez rien sur PC1, vous repliez sur le grillage, vous longez vers l'est et on va se regrouper pour aller sur PC2 fouiller. On a ce parfait là. Ok, récupérez sa radio et tout le bordel, sinon on n'a pas de contact avec les snipers. Changer de grenade. On n'a pas négatif, c'était pas ce parfait là. On vient vers votre position. Ça va, Aldrin? Ça va. Ok, nickel. Essayez de récupérer son écran entier avec tout son bordel là. J'ai un lance-grenade, récupérez ses entières, je les lancerai moi-même s'il faut. Je lance une grue frag sur le sud. Et Valérie, viens, on décroche. Viens avec moi, on va sur l'est. Ok, on vous suit derrière le grillage pour aller sur PC2. Essayez de voir si vous n'avez pas une strobe d'Ixidios sans forfait. Vous l'avez pas trouvé? Négatif.
Ok. Putain, y'a pas une entrée ici là ? Non, il faut. Fuck ! Attends, attends. Il y a des pinces, Goyaka. Ça marche pas, les pinces, les pinces. Faut viser le bas de la clôture. Putain. Ah, Goya, viens nous ouvrir, faut que tu vises le bas de la clôture, pardon. Oh. Ouais, tout ce monde, on est engagé là avec le produit. Pas de problème, sécurité d'abord. Raté. Il arrive. Putain, on peut même pas grimper les clôtures, mais c'est quoi ce bordel quoi? Regarde, regarde. Tu vises le milieu de la clôture en bas, ça fait un peu de piqué. Ok, ça marche. Des mouvements droite et gauche, tu vas trouver un point. On va passer un chargeur. Et droite à gauche. Longe bien le bas. Ouais. De Froggy, je suis en train de commencer la sécurisation du rez-de-chaussée. Ok, fais attention à toi, Froggy, t'es tout seul. L'interaction sur autre lieu, tout ça ? Non. Ouais, ouais. Ouais ? Si, ouais. Alors moi sur le petit pied en ciment là, la... Swadel, tu me reçois ? Tu as trouvé un point normalement. Affirmatif. Ok, vous avez basculé sur le canal radio, vous étiez sniper vous hein ? Essaye interaction perso alors peut-être, je sais pas. Tu vois, je vais essayer... Non, je viens on approche sur axe hein. Sud. Ok, actuellement on suit la clôture depuis axe sud vers PC2. Donc je fais l'interaction et tu manges la clôture bien. Ok, bien pris, je devrais vous intercepter. Faites attention au strobe, on est là. On va avoir un point par contre. Okay. J'ai creusé une tranchée, creusé une grande tranchée, vérifié, détaché. Ouais, j'en ai un à côté de l'antenne là-bas. Dans l'éventualité, je fais abattre tous les... sources d'informations possibles ah, comme les ordinateurs dans les pièces avec les portes ouvertes ont déjà été fouillées. Contact 340. Impossible. Laisse tomber. Oui. Attention, passez pas devant les axes de tir. Les snipers, essayez de traiter en 340, j'arrive pas. L'arme inutilisable. Goya pour Froggy, t'es où? Sérieux? Oh bordel. Près de chaussée, au fond du couloir. À droite en rentrant. Elle n'a pas été vérifiée, pas. Eh ben on va y aller à la grenade, c'est pas grave. Allez. Presque toutes les pièces du rez-de-chaussée sont claires. Bon, on l'a pas réussi à ouvrir, Goya? Non, il a pas réussi. Bon, je regarde sur la carte où est-ce qu'on peut rentrer. Il est parti rejoindre son binôme. Putain, on peut rentrer nulle part. Comment ils sont rentrés, eux? Ah, ils sont rentrés par la gauche, mais... La gauche, c'est pas sécure. On va contourner par la droite. Veldrid, tu ouvres. Je suis. Les snipers, vous suivez. Ok, on te suit. Par contre, il y a une autre patrouille qui est arrivée aussi sur la base. Hein. Ouais, on ouais. Est parti de là-bas. Elle était partie. Hein. Arme au point. Ah merde, putain. Vas-y, Veldrid. De toute façon, on est derrière des grillages, donc tu vas pas avoir de surprise. S'il y a des ennemis, ils t'auront déjà tiré dessus. Je cours. Ouais. Comme t'as dit arme au point. Ouais. C'est vrai que j'ai dit arme au point, mais... Il y a des moments où... Faut savoir dépoigner l'arme. Ok, Froggy et Goya, vous êtes en train de checker PC2, c'est ça? Attention ici. Ouais, rouge, affirmatif. On monte au premier étage, on a fait tout le rez-de-chaussée. Le groupe de snipers, essayez de monter sur la petite colline là qu'on a juste devant nous sur le nord-ouest là, essayez de prendre une position avec un visu panoramique. Ah putain, c'est un cul-de-sac. Par contre, Sweden a des cours. Il a craché. Ah ouais? C'est un cul-de-sac.
Et toi, t'es quoi? Moi, je suis observateur, mais si tu veux, je peux monter en haut. Pour Ouais, bah, va jeter un oeil. Si tu vois rien, tu nous rejoins. T'as que de sac là, un coup. Ah, viens, Veldry, regarde, regarde, hop, tac, regarde. C'est bon. Ok, impec, on vous rejoint sur PC2. Ellie, qu'on approche depuis le nord. Attention à toi, observateur. Les autres, on se planque. Viens, Veldry, on court, on court, on court. J'ai écrit marqueur ajouté, mais je vois pas. T'es avec moi, Veldrid? Allez, dépêche-toi. C'est un hélicoptère ennemi, vous confirmez? Ah ouais, ouais, ça peut être que ennemi, hein. Surtout que les ennemis ont des hélicos, donc ouais, confirmé. Veldrid, je suis sur PC2. Observateur, est-ce que tu peux m'identifier l'hélico? Je peux éventuellement l'abattre avec mon M136. D'ailleurs, c'est qui l'observateur? C'est Doudou? C'est Doudou, ouais, affirmatif. Doudou, tu me reçois? Affirmatif, il se pose là, FRPC1, affirmatif. MI8, transport de troupes. Ok, prenez position tous, direction ouest, prêt à faire feu. Engage à volonté. Putain, c'est quoi ce feu de merde là? Ok, de rouge, M8 touché. J'ai des hommes au niveau du dôme radar. Il y en a beaucoup trop, ils sont plus vers le left et tout de suite, il y en a beaucoup. Négatif, trop. Négatif, on tient. J'ai des lance-grenades, on va s'en sortir. Ok, Citrep. Nombreux aussi abattus, j'en vois plus un seul de vous. Ok, pas Spotrep, mais Citrep, qui est en vie et qui est mort? Doudou en vie. Rouge au complet. Valérie, t'es ok? Doudou et Doudou, audio deuxième hélico. Ok, on refait la même. Un négatif s'éloigne. Ok, reçu. Pop. Qui est médecin ici? C'est Waldrid. Holy shit! Je crois que j'entends un véhicule terrestre en approche. Ok, secteur. Il semble venir de l'ouest, mais je suis pas sûr de moi. Ok, bah Waldrid, il est bien mort. Ok, Waldrid décédé. Veldrid, il est recroquevillé là. Tu m'excuses. J'ai des contacts abattus avec RTG7, est-ce que je vais le récupérer? Fermé, vas-y. Demande couverture vers l'ouest. Ok, rouge et Doudou, vous couvrez Froggy pendant qu'il va récupérer le RPG. Répète un coup à propos du véhicule. Le véhicule s'est éloigné. Froggy, j'ai un visuel sur le radar au loin. Toujours pas de mouvement, les véhicules sont toujours au même endroit avec les troupes chargées. Ok, c'est reçu. Froggy, pendant que t'es là-bas, essaie de me trouver la 148 de Sparfell. Si tu veux, j'ai une 148.
48 moi. Et pour demander l'extract. Ok, c'est reçu. Rouge, vous me confirmez, vous avez bien trouvé le l'Intel, mais on n'a pas de coordonnées. Affirmatif. Normalement, c'est sur carte, mais on n'a rien vu sur carte. Ok, on va appeler l'extraction ici, on va se casser. Donc 148, canal 6, et vous appelez l'extraction en plein milieu de la zone, on va la défendre et on va se barrer de là. Je sais pas d'où ça vient. Ça venait de l'est, Froggy, ça venait de l'est, ça venait de l'ouest, ouest. Plutôt peut-être sur ton sud, même vers la colline où on était en insertion. Ouais, ça vient de là, mais c'est pas pour nous. Affirmatif, ça vient du 200. Putain de vitre. Ouais, ça vient de depuis l'est de la colline, l'est de la colline. Je balance une grenade là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, en plein dessus. Ok, bien joué. Froggy, même mission. Je sais pas ce que t'étais parti faire là-bas, t'as récupéré le RPG. Ok, Goya, c'était Goya en rouge. Est-ce que t'as la 148? Est-ce que t'as appelé l'extraction? Négatif, c'est Doudou qui a la 148. Ouais, Doudou, alors, est-ce que t'as appelé l'extraction? Négatif, attends, j'appelle. Ok, canal 6, t'appelles l'extraction. Les autres, on sécurise, balançage de fumée s'il faut quand, quand l'hélico approche. Fabriquer d'OPC1. C'est reçu, vous êtes à deux ou t'es tout seul, Froggy? On est deux. Ok, reçu, sécuriser PC1 et garder l'entrée ouest. À quelle position à coup ? Position exacte 110 115 110 115, pavé 2. On a subi 3 pertes, on n'est plus que 4. Donc c'est légitime qu'on se casse de là. C'est qui le mec avec sa strobe qui est derrière le grillage là-bas? C'est vous deux, Rouge? Affirmatif, on est au premier étage. Par contre, j'arrive pas à appeler l'extraction. Attendez.
attendez, Rouge, vous êtes sur quel bâtiment là? Vous êtes en plein milieu de la plaine ou vous êtes Négatif, on est sur PC1. Et j'ai deux mecs en plein milieu de la plaine avec des strobes, c'est qui ça? Affirmatif, c'est le Venom Sniper. Hein. Ah ok, putain. Je vais à leur rencontre, couvrez-moi. Eh hey Doudou, t'étais pas dans le Venom Sniper toi? Ah si. Ah ouais, c'est toi qui est en plein milieu à poil là. Ouais, enfin ça c'est Sweden, mais il a des coups, mais... Ok, J'avais dit halt, j'ai dû appuyer sur une touche à un moment, il m'a rejoint. File-moi ta 50 pour voir. Ouais, j'arrive pas à... Elle est dans mon sac. Ouais, je te la mets. Non, t'es même pas sur le canal 6. Est-ce que vous fabriquez... Ah ouais, je sais. J'arrivais pas à changer le channel, mais... Ok, extraction appelée. Préparez-vous à embarquer, déployage de fumier tout autour de la zone. Donc l'hélico va atterrir en plein milieu de la cour, hein, ça va de soi. Je voyais des mecs avec des strobes courir en plein milieu, je me demandais quoi. Bah j'ai vu tout à l'heure des mecs par ici avec des strobes et je me suis dit on va les rejoindre. Parce qu'il suffisait que je passais derrière la petite colline là, je t'entendais plus. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais ouais. Okay, je crois qu'on est en sécurité ici, on a plus qu'à attendre l'extraction. Il était temps parce que moi j'avais plus de munitions. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas trop compris. Bah nous on vous a observé de loin, on vous a vu tomber les uns après les autres, j'ai dit oh putain ça pue du cul, en plus vous répondez plus, enfin c'est parfait, ils répondaient plus. Je me suis dit bon bah on va les rejoindre. Ouais c'est parfait, les morts, je sais pas dans quelles conditions. Je l'ai entendu qu'ils se déplaçaient mais j'en ai pas su plus. En plus, il arrive par où, c'est les coups, putain. Allez, mène-toi, putain, mène-toi, j'ai pas envie d'attendre ici. Par d'où l'hélicoptère des États-Unis? Je crois que j'en ai bien l'impression, ouais. Ça avait pas l'air. Ouais. Et quand tu perds le leader, forcément c'est le bordel. Ok, on déploie les fumiers. Là, il y a quoi. Ah, c'est un Black Hawk, c'est. Bon, je déploie les fumiers sur l'ouest. Froggy à bord. Ouais, on mettait le moteur en marche, on reste pas là. Mais... Faire molette souris partir.
C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. On dégage de là. Putain, il a viré le gunner. Quoi. Ce bug où il faut ouvrir les portes pour baisser son arme. Allez, on dégage de là. Je me fais rapatrier sur un mot, je sais pas exactement comment devait se passer l'extraction à la base. Ah, il s'est fait tirer dessus. Non, c'est juste la pluie. Non, non, il s'est fait tirer dessus. Ah, c'est la pluie, c'est la pluie. C'est... Grosse pluie. Moi, j'ai entendu des tirs. Hein. Mais j'ai entendu des tirs aussi. Hein. Ouais, ah, pareil. C'est les oiseaux qui sont...